In the coastal city of Sar Sandra in Côte d'Ivoire, fish smoking is a vital economic activity, especially for women fish processors and vendors. But traditional methods of smoking fish have many drawbacks. Vous voyez ici, c'est le feu, le bois de brousse que nous utilisons. Ça prend énormément de bois, qui coûte très cher. C'est comme on appelle ça, la fumée qui nous fatigue. Ça nous fatigue les yeux, ça fatigue aussi les poumons. Parce qu'actuellement, nous ne savons pas comment conserver poisson sec. Nous ne savons pas bien fumer aussi. The FAO Coastal Fisheries Initiative therefore organized an exchange visit. Women processors from Sar Sandra traveled to Locadro to learn new fish smoking techniques using FTT ovens. Unlike traditional ovens, FTT ovens need very little wood and are equipped with a ventilation system, which means the women are not in direct contact with the fire and the smoke. Traditional ovens can be improved easily with FTT technology, which significantly reduces carcinogens from smoking. Aujourd'hui, nous, notre souhait, c'est que les femmes de Sar Sandra aient au moins un centre de fumage pour pouvoir fumer leurs produits. Et pour qu'elles puissent avoir des produits de qualité, il faut que ces fours qui sont au débarcadère, Moment 6 et le Congo, soient reportés aussi à Sar Sandra. Nous avons vraiment accumulé beaucoup de maladies en utilisant les fours traditionnels. Nous avons eu des problèmes d'yeux et avec, ici, à Locodro, vraiment, nos mamans même, elles ont plus de 80 ans, mais quand tu les vois, on a comme l'impression qu'elles ont 30 ans. Parce que les fours là vraiment sont pas dangereux pour leur état. J'en ferai pas à mes soeurs. Et puis je vais leur montrer aussi ce que nous avons appris. During the visit, the women processors also met with microfinancing partners in order to develop their businesses better. Et la dernière chose que j'ai apprise est que, au niveau du commerce, on n'a pas besoin de compter sur quelqu'un. Avec les, nous pouvons entre nous cotiser 200 francs pour avoir un fonds de commerce. Et au niveau des microfinances, avant on ne savait pas qu'il fallait se renseigner d'abord avant de prendre un prêt. On se jette dedans sans connaître, on signe des trucs. Mais aujourd'hui, on est allé à la source. Et ils nous ont enseigné qu'on devait d'abord épargner avant de prendre des prêts. Et c'est très motivant pour nous, c'est très motivant pour nos partenaires de voir à quel point les femmes sont engagées dans le secteur du mariage et donc de la transformation du poisson. Une transformation qui est saine, c'est ce que j'ai bien compris, une protection de la santé des marieuses, mais aussi une façon qui permette aussi aux marieuses d'avoir plus de temps pour avoir d'autres activités parallèles pendant la cuisson, pendant le fumage du poisson. The Coastal Fisheries Initiative, working to empower women in fisheries value chains for more sustainable communities, businesses, and ecosystems.